Et salut tout le monde, c'est JustDreamer et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 du Fallen Kingdom en compagnie de Biggie Boo. Et oui, aujourd'hui je ne ferai pas la blague parce que là, voilà, c'est l'arrivée de l'épisode 5, l'arrivée de la baston comme on dit. Parce que à partir de maintenant, là on peut attaquer la base ennemie, je crois. Donc on va vite remonter, on va vraiment vite remonter parce que... Voilà, Biggie Boo vient d'apprendre que, que la mort du portail du Nether était en fait un piège. Donc il va tout faire pour se venger. Mais on est plus fort que lui, on est plus fort que lui, on y croit. Bon. En tout cas, je récupère encore un peu de cobble et si je trouve rien, je serais tenté de finir toutes mes pioches, en fait, limite. Parce que ça va assez vite. Et si je trouve pas de diamant au bout de cette ligne, je remonte. Et comme ça, voilà. Faire gaffe quand même à la lave, on sait jamais. C'est toujours mis en sneaky, même si c'est chiant. Ça évite la mort. Ça évite la mort, c'est bon pour la vie, quoi. Bon, la redstone. Malheureusement. Ah, derrière la redstone, il y a souvent du... Enfin, des fois, parfois, du diamant. Mais quand même, on va en laisser un peu éclairer comme ça fera toujours un peu de lumière en fait. Bon, on va vraiment trouver du diamant. Oula, il y a de l'orage. Je vais l'entendre parce que c'est plus fort que les trucs d'habitude. Oh mon dieu, oh c'est super flippant quoi. Bon, là il y a de l'or. Putain. Ça pète. Waouh, ça pète de tous les côtés. Putain, déjà que ça stresse en temps réel. C'est pas possible. Oh mon dieu. Oh, ça me fait stresser. C'est débile, mais j'aime pas. Ah, ça y est, ça s'est calmé. Ah non, absolument pas. Je serais tenté de baisser quand même. Bon, je suis désolé. Ah, c'est le son de l'environnement, ça doit être ça. Je vais baisser un peu parce que c'est casse-couille quoi. Bah, c'est abusé. C'est ça. Bah, c'est bizarre. Le temps. Ah, c'est le temps. On va le mettre à 2%. C'est quand même assez dérangeant. Bon, ça vous dérange si on le coupe? Bon, de toute façon, vous n'avez pas trop votre mot à dire. On va le couper parce que c'est super chiant. Bon. Ouf, on se barre. Bon, on se barre. Ça veut dire casse-toi de cette mine, enfoiré. Bon, allez, on va se barrer. On va vite se barrer. On va finir notre salle des coffres. Et on va se barrer, ouais. Bon. En tout cas. Le but de cet épisode, bon, ça va être de faire la salle des coffres. Un truc un peu pas mal. On va essayer de faire un truc bien. On verra avec les moyens du bord, je sais pas du tout, j'ai pas d'idée en vrai. Je ferais bien une épreuve de jump, sachant que Biggie Boo y arrivera sûrement pas, parce que les épreuves de jump c'est pas trop son truc, je pense. Donc on va essayer de faire ça, ouais, on va faire ça. Bon, ça va, j'arrive assez bien à me repérer dans cette mine. Bon point. Ça m'évite de tourner dans tous les sens. Je crois que c'est par là. Exactement. Bon, je commence à prendre mes marques. Ça veut dire que tout va bien. Bon. J'arrête de dire bon. On va finir la muraille. À faire la salle des coffres, je pense la faire en hauteur du coup. Pour le coup, parce qu'une épreuve de jump sous la terre, c'est pas super. Ou limite un labyrinthe invisible, vous savez, avec les laines de moutons et tout, mais on n'aura pas assez de ressources en fait. Donc non, on va pas pouvoir faire ça. À finir la muraille en priorité. Finir la muraille en priorité, ouais. Donc. On va faire la tactique qu'on avait dit, donc en mettant de la Nether Arc allumée tout autour avec du feu dessus. Et encore un bloc. J'espère juste qu'il n'y aura pas un creeper électrique, ce serait con. Hop. Que les creepers électriques ça rigole zéro. Oh regardez, il y a 3 qui... Oh, faut vraiment qu'on se les fasse. C'est pas moyen. Oh, ça tapait pas loin. Lui
peuvent pas exploser là, si. Non, explose pas! Voilà. Oh, quoi que si, en fait. Quoi que si. Bon, ça a pas effleuré la muraille. Bon, c'est nickel pour moi, du coup. Oh non, j'aime pas les mini-zombies. J'aime pas les mini-zombies. J'aime pas les mini-zombies. Meurs, 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 meurs. Voilà, nickel. Bon, juste que je me prenne pas la foudre en pleine gueule, ce serait con. Bon, ah voilà. Finir cette muraille, vite, vite, vite. Ah, j'aime pas quand ça pleut, c'est moche, ça fait laguer et tout. Enfin, ça fait laguer. Moi, ça va. Je pense que Biggie Boo lague un peu plus. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas super grave. Bon. Putain, j'ai cru que c'était lui là-bas. Avec son skin de Mexicain, mais non, en fait, c'était juste un vieux zombie. Prendre un peu de bouffe. Ah ouais, je suis à court de bouffe là maintenant. Je pensais être bien en fait au niveau de la bouffe, mais en fait pas du tout. Bon, c'est pas grave. 4 de haut, 4 de haut, on va le faire à 5 de haut. Ça suffira largement. En fait le but ça va être le faire tomber en fait dans le feu. Donc, je sais pas trop comment on va pouvoir faire. Je sais pas si. Ouais. Limite faire un. Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Parce que c'est un peu débile. Limite mettre de l'eau en fait. Entre les deux. Ça, ce serait moins con. Parce que mettre de la Nerzerark, ok, tu vois. Enfin. Voilà, ça. Ça met du feu et tout. Mais s'il fait exploser, dans tous les cas, il y aura aucun intérêt. Parce que ça va enlever le feu. Alors que l'eau, ça permettra de bloquer la destruction de la deuxième couche. Et donc voilà, ce serait beaucoup mieux de faire ça. Donc on va faire ça. Ouais, on va faire la deuxième idée. Donc en plus on a assez de cobble je pense. Hein. On a pas mal de stacks de cobble. Ça va réduire par contre considérablement la taille de notre. On met de l'eau ou de la lave? De l'eau, hein, parce que la lave ça va être compliqué. Ah merde, les plantations qui gênent. Ouais, moi je suis comme ça, j'ai pas de respect, je casse tout. Ah, quoi qu'on a notre élevage de poulet en fait. Donc au niveau de la bouffe, on n'est pas si mal que ça. Et ça c'est cool. Ça c'est cool, ouais. Mais faut que la base reste destructible, je crois. Enfin, qu'on puisse quand même y avoir accès en explosant les trucs. Donc je pense que je ferai quand même juste un bout en fait. Un bout de la muraille. Où il y a de la cobble, où il y a que de la cobble et qu'il n'y a pas d'eau, donc ce bout serait destructible avec une couche de 3 en fait, et voilà, ce qui permettrait l'accès à, enfin que le truc soit destructible et qu'on puisse avoir accès quoi, parce que si je mets de l'eau de partout, il n'y a plus pouvoir rentrer et forcément je serai pas en règle. Bon. Oh le pauvre, il arrête pas de se faire tuer. Il se fait vraiment défoncer. Oh là là. Hop. J'y mettrais bien un cran en dessous, genre histoire qu'on puisse se balader en fait. Sur la muraille. Si c'est trop utile, comment on fait? Bon, en tout cas, il faut qu'on fasse une source d'eau infinie. Il rage. Je sais pas si vous ne pouvez pas l'entendre, mais moi je l'entends rager. C'est juste magnifique. Oh là là, c'est juste trop bien. Hop, bon, on va aller chercher un deuxième seau d'eau. Espérons pas tomber sur lui, quoi. Ni sur un autre truc dévastateur, genre un squeletton. Barrez-vous. Bah, putain. Parle du loup, il arrive au galop, quoi. Hop. Tac, 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 tac. Et voilà, comme ça, on est en sécurité. Moi, je fais pas trop des actions dangereuses, hein, bon. À part, mis à part le truc de l'action de la lave, je trouve qu'on est assez safe. Ce qu'on peut faire, c'est que...
faire ça en fait. Histoire que l'eau en fait, source d'eau, tu sais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre source d'eau illimitée. Comme ça, j'aurais moins de cubes d'eau à mettre. Ça pourrait être pas mal. Oh non, ça marche pas. Oh non, ça marche pas. Bon, écoutez, on va enlever ce que j'ai mis alors, du coup. Parce que ça n'a aucun intérêt. Hop, 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 hop. Là, y'a rien. Hop, bon. Si je me faisais deux sauts. Ah, faut que je mette les trucs à cuire aussi, putain. J'aurais dû faire ça plus tôt. Je vais mettre l'or en priorité et faut que j'aille vraiment chercher. Est-ce que j'ai des pommes? Absolument pas, faut que j'aille en chercher. Parce que ça va me donner un putain d'avantage. Vous vous rendez pas compte en fait. Non, non, je rigole. Mais ouais, ça va me donner un avantage quoi. Je peux pas la reprendre l'eau. Ça va être assez chiant. Wouah! Oh, il s'enjaille lui! Je me fais attaquer par un putain de spider squeletton, genre ça escalade la muraille et tout quoi. Oh mon dieu, sans aucun respect. Ah mais en fait je suis pas obligé d'en mettre partout, je peux en mettre une fois sur deux. Ce sera aussi efficace. Ce sera moins joli mais tout aussi efficace finalement. Si j'en mets un là, ça passe? Ouais c'est nickel. Non! Bah, il y a pas les blocs. Il y a un bloc qui manque là. Ah merde, comment ça se fait? Pourquoi il manque des blocs? C'est moi qui ai fait des trous? En vrai? Putain, sérieux? Ouais, bah ok. Putain, c'est chelou. Ouais, ouais, c'est chelou. Bon, j'espère que c'est juste... que c'est juste moi qui ai oublié les blocs. Je trouve ça assez bizarre. En fait... Ouais. Bon, à partir du principe que c'est moi. C'est pas grave. Bon. On va mettre un peu de tous les côtés. Comme ça, on pourra sortir plus facilement. Ah, ça y est, la pluie s'est arrêtée. Ça, c'est bien. Hop. Voilà. Comme ça, ça crée un petit bug d'eau. Ouais, elle va être pas mal, cette nuit. Je pense qu'elle va être plutôt correcte. Elle va être plutôt correcte. Après, il faudra qu'on aille vraiment chercher des pommes et de la bouffe. Et commencer à aller accéder à l'End, en fait. Putain, j'ai peur, j'ai pas envie de... d'aller dans l'End et tout, c'est super dangereux. Pas forcément de dragon, mais... Surtout si on se croise en PVP là-bas, ça pourrait être vraiment assez épique. Donner un combat... Hein. Assez mouvementé comme on dit. Bon, on va faire un truc dégueulasse. Voilà. On s'en fout, on n'est pas là pour des décorations. On n'est pas là pour faire un joli bâtiment. D'ailleurs si vous voulez vous regarder, mon profil autopub quoi. Il y a ma série qui est en cours là, la série Comment construire dans ce biome. Donc a pour but thématique de construire dans chaque biome et avoir un thème bien spécial, utiliser au maximum les matériaux trouvés dans ceci et avoir une maison qui correspond à l'environnement dans lequel elle est. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez aller la voir, je vous conseille, si vous aimez construire, je vous conseille vivement d'aller regarder. Bon, fin de la page de publicité, retour au Phalem Kingdom. C'est imprononçable ce truc quand même. Hein. Hop. Bon, c'est pas très intéressant ce que je fais en ce moment, mais... Oh putain, je me fais attaquer. Oh non, mais c'est abusé. Laisse-moi tranquille. Je te fais quoi? On va donner à manger aux poules. Commence à en avoir pas mal. C'est cool. Voilà. Bon, je vais récupérer les œufs. Encore. Encore et encore et encore et encore. C'est abusé. Il n'arrête pas de mourir. Est-ce que j'ai de la canne à sucre? Parce
que j'aurais pu faire des tartes. Des tartes au sucre, enfin des tartes à la citrouille. Parce que là j'ai plus de bouffe. C'est horrible. Oh mon dieu. J'ai mal organisé quand même, hein. Je suis pas super bien organisé. Merde. J'ai oublié le chrono. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Feeling, comme on dit. Hop. Ah voilà. J'oublie le chrono forcément. Donc on peut pas trop savoir quand arrêter. Mais je pense qu'on a commencé. Commencé, il faisait déjà nuit, non? On va laisser jusqu'à midi, on verra bien. Hop. Et le dernier cube d'eau. Et voilà, on a fini notre petite muraille. Est-ce que j'en mettrai là? Je sais pas. Ouais, si je vais en remettre pour deux cubes. Je vais regarder là si on manque pas. Si on manquait en plus, regardez. Pour deux cubes d'eau, on va quand même jouer ça safe, on sait jamais. Hop. Et un dernier. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre salle des coffres, donc en hauteur. On va retirer ce coffre-là. Putain, j'ai pas de cobble. Je peux faire. Avec l'accent anglais, vous avez vu. Putain. Je pense qu'il va me dire non, mais. On a deux plumes de silex, on va faire des flèches directement. Oh oui, ça c'est beau ça. Ça c'est très beau. Ok, bah nickel. Merci. Bon, hop, bon bah du coup, on va pouvoir la faire avec ça. C'est génial. Et c'est cool de sa part. Bon, comment on va faire ça? On va faire ça comme ça. Hop, nickel. Oh c'est moche, oh c'est dégueulasse, c'est abusément dégueulasse. Putain y a un creeper, faut qu'on aille le chercher. Il y en a deux, oh il y en a plein, faut qu'on aille le chercher. Faut absolument qu'on aille. Oh, ça c'était nul de ma part. Oh le talent. Non explose pas sur ma muraille en vrai, fais pas la pute. Hop. Des flèches, des os. Genre, exploser direct. Il est un peu abusé celui-là. Hein. Oh putain. Squeletton. Avec un arc enchanté. Oula. Non, non, en vrai, tue-moi pas. Nickel. On va aller prendre de la bouffe. Pendant qu'on est dehors, on va aller prendre de la bouffe, ouais. On va tuer les 2-3 creeps. Enfin, j'en ai vu que deux en fait, je crois. On va tuer les vaches parce que là, en fait, on est vraiment en dalle de bouffe. Je pensais qu'on allait être... calé au niveau de la bouffe. Il me propose de stopper. Ouais, je pense. Ouais. J'ai tué ma dernière vache. Et donc, bon, on aura bien avancé cet épisode. Même si c'était pas super intéressant. Il n'y a pas eu trop de fights. Bon, Biggie Boo a quand même réussi à mourir tout seul. Ça me rend heureux. Je vous le cache pas. On a quand même pas mal avancé la muraille. Par contre, je sais pas du tout comment rentrer du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Je vous... Hop, attends, on va rentrer, on se mettra au calme pour finir. Voilà. Bon, j'espère que la muraille tiendra, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc dans le prochain épisode, on va finir notre salle des coffres, et on se dit à tantôt pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde, c'était JustDreamer.